Bonjour, c'est Fu et Wen, on se retrouve pour l'épisode 15 de Revoir Sixam dans la belle ville de Willow Creek, puisque nous y avons posé nos valises. Alors, c'est bien beau la fête des voisins, mais il serait peut-être temps de nous occuper des plantes, hein. Donc, on va lui dire d'arroser. Et puis, on va tout récolter parce qu'on a besoin d'argent. On est tombé à 130 simflouzes. Ah, si je mets lecture, ça va beaucoup mieux marcher. Mais c'est super, en fait. Elle n'a pas besoin de marche. Heureusement, puisque j'ai oublié de mettre des marches. Merci. Donc, déjà, ça, je vais le dégager. Ça va nous faire des sous. Des sous, des sous, des sous, des sous. Des sous, des sous. Voilà. Enfin, j'espère, hein. Voyons, on vérifiera. Ah, mais il y a toujours Dina qui est pas partie. Qu'est-ce que tu veux, Dina? Tu veux discuter? Oh, mais il y a le festival des épices! C'est trop bien. On va pouvoir avoir les fameux fruits du dragon. Ceux qui nous rapportent plein de sous. Bon, alors, Dina, merci d'avoir testé la terrasse. Parce que, comme ça, je vois que on peut y aller tranquillou. Hop, hop, avec notre belle baie vitrée. Qu'est-ce qu'elles font? Les filles, si vous voulez prendre un selfie, moi je vous conseille fortement de vous mettre, de regarder du même côté, quoi. Mais qu'elles sont quiches! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, bah oui, bah. Écoutez, on peut pas tout avoir, hein. Elles ont pas inventé l'eau chaude là sur le coup, hein. Je sais pas ce qu'elles font. Je sais pas ce qu'elles font, c'est bien beau tout ça, mais j'ai failli oublier. Donc moi je vais aller au Festival des épices. Je sais pas si je peux y aller avec quelqu'un, on peut y amener Dina. On peut? Oui. Allez, viens, copine. On va aller au Festival des épices. Toi et moi. Alors, on est où? Alors là, on est avec copine. Qui est... Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. On va... Ah, elle est enjôleuse. Ouais, alors, pas avec nous, hein. On n'a pas très, très, très envie, là, pour l'instant. On peut discuter, donner un coup de hanche. C'est cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Discuter technique d'entraînement. Voilà. Ça l'éclate. Petit coup d'ange, les filles? Ouais, avec un cadrage de la mort qui tue. Donc, qu'est-ce que je vois? Ah, je vois que la vessie est un peu nulle. Donc, on va déjà s'occuper... je vous dis, c'est les copines qui déteignent sur moi. Elles me rendent parano. Il n'y a pas de vessie? Mais si, derrière ce magnifique miroir. Utiliser. Se laver les mains. Alors, pendant ce temps... Ah, comme d'habitude. Donc... Allons chez les hommes, j'ai envie de te dire. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle a envie de discuter de techniques d'entraînement en salle de sport. Bah, écoute, j'ai l'impression que Dina, ça l'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Amicale. Discuter des techniques de danse. Non, c'est pas celle-là qui nous intéresse, c'est la salle de sport. Hop, et dans le monde. Hop, énimologie. Vivre ensemble. Non? Pas de suite, là. Alors, donc, pendant que les filles... Oh, 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 pardon. C'est que j'attendais ça depuis tellement longtemps. Voilà. À nous, richesse. À nous, petit plan. Hop, alors, on va tout récolter. C'est pour nous. Les fruits du dragon. Hop, alors, les fruits du dragon, on va en planter, mais plein. Pourquoi? Parce qu'il nous faut 40 000 simflouzes pour construire un terrain communautaire. Et que je ne sais pas encore... Non, Louise, on y est déjà. Ben, t'as qu'à venir. Ben, viens plutôt. Donc, 40 000 simflouzes... Ah oui, je peux rien faire. Elles sont en train de papoter. Bon, papoter bien les filles, mais maintenant, il faut venir. C'est si long que ça, la théorie des couleurs. Voilà, hop. Donc, et puis on va attaquer le métier. Alors, j'ai eu des propositions fort intéressantes, puisqu'il y en a des, il y a des choses que je n'avais jamais faites. Donc après, je ne sais pas encore si je fais ceux qui ont eu le plus de points, ou alors je fais un tri parmi les métiers, ou alors je fais le tirage au sort, ou l'appel à un ami, je ne sais pas encore. Donc voilà.
Alors, ce qui était vraiment super, c'était dans les commentaires de lire les argumentations. Je vois que Mumu est dans le même trip paranoïaque que moi, mais beaucoup plus poussé. Hein, on sent le background médical derrière. Et j'ai envie de te dire, Mumu, que d'un autre côté, écoute, si on se fait repérer et qu'on est à l'hôpital, on n'est pas à l'abri d'une lobotomie. Donc voilà. Donc je garde médecin dans le champ des possibles. Après, il y avait quoi d'autre? Peintre. Alors ça, je la connais un peu parce que je la vois dans le challenge de Bloop. Écrivain, police, showbiz, politique et réseaux sociaux. Réseaux sociaux, je l'ai jamais fait. Donc j'avoue que il me fait de l'œil, il clignote. Mais le petit souci de réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression qu'on va devoir. Bon, là aussi, hein, on ne peut pas dire qu'on passe inaperçu. Et puis le petit risque aussi, c'est que le petit risque. Le petit souci, c'est que j'ai l'impression qu'il va falloir avoir le charisme à fond les ballons. Enfin, j'ai l'impression, genre, je l'ai inventé. Non, je suis allée me renseigner. S'asseoir et essayer ensemble. Qu'est-ce qu'elle a râlé? Ah, mais c'est sa mère, Adina. Ah, ben on voit l'hérédité, hein, au niveau de. Il y a les meules, hein, comme on dit dans le Gers. Bref, un petit peu de divertissement. Donc, jouons au jeu des ressemblances. Quoique, on va peut-être pas fumer la chicha, enfin, faire des bulles, pardon, avec sa mère. Par contre, le jeu, n'hésite pas à m'envoyer des beaux gosses, quoi, parce que là. T'es qui, toi? Ah, pro des platines, habitué. Habitué. Dominique Fires. T'es qui, toi? Victor Feng. Ah, c'est lui le relou qui se met toujours en plein milieu à chaque fois que je veux faire un truc. Oh, elle est belle, elle. C'est qui? Elle a. Lily Feng. Ah ben c'est. Ah ben ça doit être sa femme. Ok. Bon, maintenant que j'ai fait mon instant ragot, gossip et gala, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dina? Ah, il y a quelqu'un qui pue des pieds. C'est qui pue des pieds? Environnement dégoûtant. Oh là là, ma puce. Oh là, je ne sais pas quoi dire. Testons la nourriture locale. Qu'est-ce que c'est? Un tagine? Un ramen? Des ramen. Oh, j'ai trop envie de manger un curry et brochette. Ouais, alors ça envoie moins du rêve. Normal, normal, normal. Ok, bon, ben, comme les brochettes sont excellentes, hein, on va goûter la nourriture. Puisque de toute façon, elle est mal à l'aise et qu'elle fait la gueule. Non, mais, Wen, quand même. Une nouvelle maison, un nouvel environnement, on te sort et toi tu fais quoi? Tu boudes. T'es où? T'es inspiré par? T'inspiré par qui? Qui ça? Ah, il y a la mèche. Caleb Bator. Ça sent le vampire quand même, on est au courant. Et elle est partie boulotter toute seule. Ok. Et on peut pas, par exemple, chanter? On peut pas lui dire de nous laisser la place? Parler des rêves. Une fois que tu auras fini de manger. Je suis pas sûre que ce t-shirt soit des plus saillants. C'est quoi? Je ne sais pas. Il y a une thématique jaune. Hein. Ah, mais attends. Ah, ben voilà l'autre sœur. Ah, ben voilà, c'est bien elle qui a pris les meules. Ça doit être le t-shirt du festival, bien sûr. Et Dina, tu veux pas venir manger avec ta frangine? Jouer de la guitare pour les pourvoir, jouer du violon pour les pourvoir. Oh mince, il aurait fallu que. Ah, ça va, elles sont copines, c'est bien. J'avais peur qu'elles se disputent. Donc la prochaine fois, il faudrait que j'aie une guitare. Mettez-moi un micro, moi je chante, hein. Parce que, enfin, je chante. Ouais, elle chante tellement bien. Continuez d'être super potes. On a déjà pris des photos de dos. On peut essayer de reprendre une photo d'ensemble, mais cette fois, les filles, ce qui serait super, c'est que vous soyez raccord sur la photo. Ça serait top. Les nains de jardin. Il va aussi falloir que j'ai un groupe d'amis. Je ne sais pas encore si je vais créer mon groupe d'amis ou si je vais en rejoindre un. Ça y est, sans raccord. C'est bien, les filles, vous avez réussi à faire une photo. Maintenant, avant qu'elle commence à nous draguiller, Dina, on va rentrer à la maison, d'accord? Donc on va mettre fin au groupe, hein, et ah, elle voulait. Ah non,
Ok, plus de choix. On peut dire au revoir au groupe, s'il vous plaît? Voilà, dissous de la bande. Merci, j'étais contente de te voir. Acheter un four en étant inspiré. J'ai pas acheté de four. Comment on fait pour acheter un four? Acheter un échiquier, oui, ça c'est possible. Bénévolat, on n'a toujours pas de famille, donc on va attendre un petit peu. Parce qu'au final, j'ai assez envie de prendre mon temps. Déjà, parce que ben, il faut avoir les 40 000 simplus, je suis pas obligée de rusher. Et puis j'aimerais bien avoir quand même une maison sympa, hein. Ça pourrait faire une maison de vacances. Je ne sais pas, de toute façon, Wen, si elle voudra vivre au final sur Sixam ou sur Terre. Parce que elle a quand même plein de potes ici. Ouais. Ça, c'est bien le truc de jardinage. Bon, ce n'est pas de la triche, je vous entends. Alors, toi, t'as toujours pas besoin qu'on t'arrose? Non? Ah, je peux te fertiliser. Attends, ne fais pas... Ah si, je peux te fertiliser. Avec un truc... voilà, un truc où j'en aurais plein. Genre un oignon. Non. Épinard, basilic. Voilà, épinard. Un simflouz, autant te dire que tu vas y passer direct. Ensuite, il nous faut fabriquer un meuble. Et on va fabriquer, bien entendu, comment ça s'appelle? Une jardinière. 17 simflous, ça serait quand même super dommage de s'en passer. Et puis, il va falloir après étoffer un petit peu salon. Hein. Je comprends pas pourquoi cet espace est aussi peu lumineux, quand même, avec la grosse fenêtre. Je dis ça, mais d'un autre côté, j'ai mis une grosse fenêtre à mettre la bibliothèque, là. Oh, je vais peut-être mettre... Je pourrais mettre une lampe. Si je mets une lampe, on ne peut plus y accéder. Il nous faudra une chaise aussi, d'ailleurs. Une chaise, on va... Ouais, ben on doit fabriquer des meubles. Alors, c'est bien ce machin hexagonal, mais au niveau des murs, c'est quand même bien relou. Donc, je pense qu'à un moment, il faudra faire quelque chose. J'ai toujours dit que j'étais pas bâtisseuse, hein. Je me permets de le répéter, quand même. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on a comme plante ici, parce que ça sert à rien d'en avoir en doublon. Donc ici, on a du lys, tomate, chrysanthème, c'est quoi ça? Oignon, que je peux faire évoluer. Trop bien. Et pommes de terre, super. Et qu'est-ce qu'on a récolté? Alors ça, on n'en avait pas. Fruits bourgeons de bonsaï. De la mûre. C'est moi ou c'est le même dessin? Ok, passons. Champignons, ça m'intéresse pas trop. Raisin, ça m'intéresse énormément. Fruit du dragon, je t'aime. J'ai déjà dit, j'avais de l'oignon. Poisson rouge. Lys. Oignon, oui. Oignon, j'ai. Oignon, donc, on s'en fiche. Patate, je crois que j'ai patate. Patate, on a. Patate. Patate. Après, c'est quoi? Du basilic, un simflouz, épinard, la quoi ça? Ça c'est joli, on le garde, juste pour le principe. T'as fini? T'en es où? Viens là. J'ai besoin de toi, oui, il me semble. RL, qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. J'ai envie de dire, est-ce vraiment important? Alors, voilà, une petite jardinière. On va la mettre là. Un peu circuler autour quand même. Oui, un peu circuler autour, facile. Non. Donc, on plante des choses. Allez. Tac. Donc, un fruit bourgeon de bonsaï. Ben, hop, tu vas aller en pot individuel. Vas-y, plante-le. Ça, autant te dire qu'on va en mettre deux. Direct. Voilà. Ensuite, on va ici, un peu d'amur. Le champignon, on s'en fiche. On peut même pas le greffer. Donc, non intérêt. Basilic, épinard. Et raisin, oui. Beaucoup de raisin. Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi? Fleur de lys. Il faut que j'arrête de faire des tac, tac, tac. Chrysanthème, très bonne. Oignon, pomme de terre. On peut toujours pas faire des boutures, hein. Non, mais on peut désherber. Super. Allez, prends soin de ton jardin. Prends soin de tes grenouilles. Il me tarde tellement d'avoir une famille, ne serait-ce que pour faire l'échange de... Pour mettre, j'ai vu ça, elle fait ça de lys. Elle met la grenouille dans l'inventaire de quelqu'un d'autre et du coup, elle peut la reproduire à nouveau. J'ai trouvé ça magique. Je pense que c'est à peu près ma seule motivation à lui faire avoir une famille.
Non, ne le mange pas au prix où c'est. Je viens de dire de le manger. Ok, planter. Et puis après, on peut. Ah, bah, dépêche-toi, ma grande. Après, est-ce que tu acceptes de. Elle est out. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça avec tes grenouilles. Bon, t'as tout planté. Bah, j'espère que tu vas faire passer de faire de beaux rêves dans ta nouvelle chambre. Est-ce que ça pourrait pas être raccord? C'est que ça m'énerve que ça soit pas raccord. Hop, y a pas marron qui soit à peu près proche. Ils ont fait exprès. C'est pour me rendre dingue. Y a aucun marron qui sera pareil. Toi, je sens que si je vais faire une recoloration de meubles, moi. Je peux l'envoyer à un bijoutier pour la faire affiner? Et ça fait quoi après? J'ai trop envie d'essayer. J'essaye. Enfin, dès qu'elle aura fini. Il va falloir aussi qu'elle apprenne à faire à manger, Wen. Hein, pour qu'on puisse utiliser notre petit four. Que de choses à faire. Le raisin, j'en ai planté un, je peux le vendre. Flitch. Les fruits de dragon, j'en ai planté deux. Je peux les vendre aussi. Hop, on va l'envoyer chez un bijoutier. Du coup, mes compétences. T'es où? Charisme, chant, cuisine. Mais c'est super, je peux, du coup. Attention. Premier repas de Wen. Ouais, t'as vraiment me gonflé cet angle. Bonjour dans Bienvenue aux fausses bonnes idées. Il est triste aussi ce mur, il n'y a rien du tout. Bon, on va bien se concentrer sur Wen qui fait à manger. Elle a fait. Par contre, pourquoi il y a une assiette déjà là? Ce qui me fait penser que j'ai zappé de mettre un évier. Ah, et j'ai aussi zappé de lui faire faire une chaise. Est-ce qu'elle pourrait faire une chaise avant de se nourrir, s'il vous plaît? Fabriquer un meuble. Tabouret, étagère, jardinière, miroir. J'ai pas. Je peux pas acheter. Faire une chaise. Je peux pas faire une chaise. Décoration murale, étagère, guéridon, jardinière, miroir, pot de fleurs. Ah ben non, j'étais persuadée que je pouvais faire une chaise. Bah écoute, Wen, tu échappes. Hop, on va t'acheter des chaises. C'est parti. Elle est chouette la vue avec les plantes. Par contre, concentre-toi. Donc, un petit peu de couleur. Qu'est-ce que ça serait possible? Parce que c'est quand même un petit peu trash, tout ça. La chaise en métal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas sans transcendant, hein. 80. On a des jolies couleurs. Qu'est-ce qu'on a dans nos carreaux ciment? Donc, du vert. Je suis repartie sur mes lubies. Ça fait très joli. On va mettre ça. Hop, voilà. On va en mettre une autre ici. Et puis on va prendre une autre couleur. On pourrait prendre crème, hein. On n'est pas obligé de faire la fête à chaque fois aux couleurs. Ok, ça ira. Allez, va manger. Il faut s'en mettre. Hop. Manger une portion de macaroni au fromage. Hop. Il faudra vraiment habiller ce mur à un moment ou à un autre, hein. Parce que pour l'instant c'est tristoun. Peut-être que je peux faire. Il n'y a pas une genre nature morte. Ça serait bien puisque vu le divertissement. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arroser tout le monde. On va fertiliser tout le monde avec des épinards. Wen, ça aurait été bien que tu te mettes quand même côté fenêtre pour profiter de la vue. Qu'est-ce que t'en penses? Donc fin, on est bon. Il va nous falloir acheter un évier. Parce que ouais, il va falloir nous acheter un évier. Pourquoi elle est tendue? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a besoin de se divertir, bien sûr. Ben, j'ai trouvé une activité super divertissante pour toi. Ça s'appelle le jardinage. Tu vas adorer, tu vas voir. Voilà. Déjà, c'est la fête. Est-ce qu'on peut le fertiliser? On en est où? On va peut-être le faire en plusieurs fois. Ça la divertit? Pas du tout. C'est étonnant.
Alors, on a fertilisé qui là? Voilà. Hop, fertilisé. Épinard, on va essayer. On veut pas. Fertiliser épinard. Peut-être devoir planter des épinards juste pour la fertilisation des choses. Fleur de lys très bonne. Ça serait bien d'acheter un pot et de mettre sans décoration, genre là. J'ai envie d'acheter plein de choses aujourd'hui, c'est atroce. Alors, un pot. Un pot. Pot dans plan d'intérieur. Ah oui, non, mais il me faut un pot dans lequel je peux mettre des plantes, quoi, en fait. Décoration. Dans jardinière. Si je fais jardinière, je les trouve. Bon, tu peux pas tout me montrer, comme ça je gagne du temps. Oui, je me dispute régulièrement avec mes objets, mes choses. Voilà. Débloqué en terminant le défi super fruit. Comment je fais ça? Je peux pas, je l'ai pas. Bon, bah écoute, on va se contenter de ça. On va le mettre là. Hop. On va récupérer ici notre fleur. Voilà, fleur de lys. Très très bien. Ici, on va du coup en profiter pour planter un épinard qui a l'air d'être un magnifique fertilisant. Avant que je l'ai tout dépensé. Basilic aussi. Ah, alors le basilic c'est peut-être plus intéressant parce que déjà c'est bon avec les hop, ça vaut si cher que ça la mûre, mais c'est top. J'ai planté hein, dis-moi que je l'ai planté, c'est bon. Hop, on va le planter le basilic, on peut en fertiliser au basilic. Voilà. Après, il va aussi falloir garder à l'esprit qu'on va devoir qu'on s'appuie les factures. J'espère qu'elles arriveront le plus tard possible. J'aurais pas dû virer l'épinard parce qu'en fait, ça me perturbe que ça soit pas symétrique. Donc, je sais qu'à un moment ou un autre, je vais faire une autre jardinière. Je peux te faire évoluer déjà ? Faire évoluer. Ça, c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'elle veut faire, Choupette ? Ben, tu sais quoi? Fais-nous une grande toile. Ah, on peut pas. On peut pas parce qu'elle est tendue. Ok. Ah, et maintenant elle est heureuse. C'est bien. Eh ben, tant mieux. Ah, c'est parce que là, c'est décoré. Qu'est-ce qui fait que c'est décoré? Je sais pas. Mais c'est bien. Donc, si on te met de la décoration, tu es plus contente. Ben, tant mieux. J'ai envie de tenir. Tu veux bien, du coup, venir faire une décoration? Super. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une toile pop art. Une petite toile pop art. Et on pourrait faire un mur de peinture. Il faut juste que j'arrive à pas être trop vénale à vouloir les vendre pour avoir des sous. Parce que je sens bien que je vais avoir du mal autrement. Quoique si tu me fais une toile pop art qui n'a rien à voir avec la choucroute dans la cuisine, c'est peut-être un petit peu chelou. Ok, je retire ce que j'ai dit. Je vais la vendre. Je vais faire une grande toile, hein. On va faire une grande toile. Une grande toile sur Alice. On n'est jamais déçu. Et puis, elle partira dans la cuisine, peut-être. Non, mais de toute façon, ça, moi, je fais ça, c'est pour son bien-être. Elle a besoin de divertissement. Et d'une douche. Et puis après, ben, on va chercher un emploi, mine de rien. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Je sais pas. Ouais. Ah ben, aucun regret, hein. Elle est moche. Elle vaut rien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, c'est chelou, mais c'est dans les temps. Donc, on est content. Allez, on va la mettre là. Et on va voir un petit mur de curiosité en attendant. Et si on a acheté un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. Avec tout cet argent qu'on a. Ah, il faut mettre un tiret peut-être. Si je fais la vaisselle, tu es... Non, c'est pas un tiret. Ah, parfait. Donc, gros appareil. 156 flouts.
Mais ça coûte rien, je vois absolument pas pourquoi on s'en passerait. Fiabilité 5, fiabilité 5. Je vois pas la différence. Je vois pas même pas pourquoi on réfléchit un seul instant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Ah, parfait. On peut pas avoir un truc un peu. Oh, c'est beau. Oh. Hein, apportons un petit peu de couleur dans ce truc. On a la vaisselle et on a ce coin trop sombre. Plotch, lumière. Luminaire? Non. On va mettre une applique. Qu'est-ce qu'on va mettre comme applique? C'est discret, ça n'éclaire rien. Donc je vois pas l'intérêt. Ah voilà, là ça éclaire mieux. Mais bof. Ça c'est ce que j'ai mis dehors, c'est un peu bizarre. Voilà, très bien. Oh, c'est intéressant, ma foi. Ça fait un peu genre. Du coup, hop. Du coup, est-ce que je peux modifier la couleur? Voilà. Très bien. J'ai pas l'impression que ce soit plus lumineux, mais psychologiquement, ça me fait plaisir. Je meurs d'envie de m'entraîner. J'ai manqué la journée spéciale fessier la semaine dernière et tout le monde sait qu'il ne faut jamais manquer cette journée. J'ai bien besoin de quelqu'un pour me soutenir. Non mais Amélie, il est 10h du soir. Alors franchement, ta journée fessier, j'ai envie de te dire que non, c'est pas possible. Divertissement, on est toujours bof. Ici, on va faire tout récolter. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! La trouille m'a fait peur, cette nouille. Hein. Mais ça va pas dans ta tête. Mais casse-toi. Il peut rentrer chez moi ou pas? Non, hein, il peut pas rentrer chez moi. Attends. Verrouiller la porte pour tous les animaux, tous les mondes sauf les membres du foyer, tout le monde sauf les enfants. Il n'y a pas tout le monde sauf les humains et les extraterrestres. Ah la vache, j'ai une trouille. Hein. Je ne m'en remets pas. Bah du coup, Wen, tu sais quoi? Tu fais ce que tu veux. Mais j'ai toujours pas ça. Ah non, tu fais pas ce que tu veux. Si tu te divertis un petit peu. Et puis ensuite, on va chercher un emploi. Faire du bénévolat, carrière, acheter un magasin, non. Trouve un emploi. Très bien, Wen. Et tu veux faire quoi là? Proposer un plan fou à quelqu'un, pas de suite. Acheter un échiquier, oui, c'est vrai, tu voulais acheter un échiquier, ma belle. On est blindé de thunes. On va te trouver un emploi, après on va se faire ce petit plaisir. Détective, médecin. On est quel jour? On est samedi. En théorie, du coup, je devrais pas travailler demain. Elle commence lundi. Très bien. Ça me fait une journée tranquille. On va vendre ce qu'on a. Reproduire une grenouille. Acheter un échiquier. Et on sera bon. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai décidé que je voulais faire plaisir à Wen. Et que j'ai décidé que je voulais dépenser toute ma thune. Il est beau, lui. Il est très, très beau. Tu me plais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai absolument pas de chaise, mais tu me plais. Oui, il va falloir les chaises. Bon, elle commence un métier dans pas longtemps. Hein, on peut lui faire un peu zut, quoi. Jeune inter, quoi, un peu rétro. Mais ça, c'est parfait. Allez. Bien, maintenant qu'on a dépensé tous les sous qu'on n'avait pas. Qu'on a pris un métier et qu'on a. Soyons honnêtes, on a un peu glandouillé quand même dans cette partie. Hein, mais le temps a filé très vite. Enfin, pour moi. Peut-être que j'ai mal géré mon temps. Bref, on a acheté plein de choses, on a fait des trucs. Gwen, elle se sent bien dans sa maison et ça, c'est quand même super. On va la laisser pousser la chansonnette et sur ses belles vocalises. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'attaque du métier médecin. Je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine et puis ben, merci d'être là pour suivre les aventures de Wen et puis c'est tout. Salut, à bientôt.